Hey, salut toi, c'est Papa Papa de Pays, oui. J'espère que tu passes une belle semaine de relâche, hein? Aujourd'hui, mardi, en tout cas, tu vois, ton temps en relâche, je sais que la semaine prochaine, il y en a d'autres là, qui sont en relâche aussi. Mais cette semaine, écoute, il y a des pauses spéciales. Puis ils finissent, là, il nous reste là aujourd'hui puis demain, jusqu'à 22h, là, pour en profiter. Parce que j'ai pu regarder ce qu'il va y avoir la semaine prochaine. Puis je peux te dire que c'est complètement disponible. Il y a plein des spéciaux qui ne reviendront pas la semaine prochaine, qui sont intéressants, qui sont le fun, surtout si tu tombes en vacances la semaine prochaine. Puis qu'il y a des choses que tu aimerais faire des repas, parce que des fois, c'est là où on en profite pendant les vacances pour se faire des meilleures bouffes, hein, des bonnes bouffes, puis en profiter pour jaser, puis passer du temps en famille. Puis souvent, autour d'une table, c'est là que ça se passe. Hein. Fait que j'ai regardé pour toi là, les 10 rabais qui ne reviendront pas là, la semaine prochaine, du 27 au 4 mars. Imagine. Donc, commençons tout de suite avec le numéro 1. Écoute, le veau haché, mec, chez IGA. À 3,99 la livre, ou tu peux faire 8,80 le kilo. La semaine prochaine, écoute, il n'y a pas de veau haché, mais nulle part. Ben, il y en a, là, mais pas à ce prix-là. OK? Ça, c'est sûr. Le numéro 2, la poitrine ou le haut de cuisse là, désossé. Hein? Pas d'os, pas de peau, pas rien. Écoute, il n'y en a pas nulle part. Il n'y a pas de poitrine désossée la semaine prochaine, nulle part. C'est bizarre. Mais il y a du poulet là, avec la peau, puis là, il y en a plein la semaine prochaine, mais désossé, pas de peau, non. 3,99 la livre ou 8,80 le kilo chez IGA. Tu l'as, je crois, aussi à 3,77 chez Super C, juste pour ce qui est de la poitrine, cette semaine. Mais bon, profite-en parce que si tu veux avoir du poulet, là, des ossées, puis de faire des brochettes, ou de faire des escalopes de poulet faciles, là, c'est sûr que c'est une belle protéine, on veut toujours en avoir à la maison. Hein. Ça, c'est sûr, parce que tu sais que la semaine prochaine, il n'y aura pas de spécial dans ce sens-là. Le numéro 3, écoute, la viande fumée Schwartz. Hey, écoute, je ne l'ai pas acheté encore, là, j'attends que la semaine finisse, on dirait, faut en acheter, parce que j'avais l'intention de l'acheter, mais je ne sais pas comment en acheter, là, il me reste 2 jours. Écoute, ça, là, c'est 9,99 pour 4 smoked meat, hein, c'est des smoked, en fait, c'est des sachets de 125, tu as 4 sachets de 125, ça te fait 4 smoked meat pour 9,99. Normalement, c'est 13,99, donc tu as, tu sais, 4$ là, de moins. C'est beaucoup, 4 piastres sur 10 piastres, là. Fait que ça vaut la peine parce que c'est assez rare. C'est sûr, la semaine prochaine, il n'y a pas ça, là. Il n'y a pas tout. Oublie ça, tu peux oublier ça tout de suite. Puis ça, pendant les vacances, ça peut être le fun, hein. Prends les petits sachets, mets ça dans l'eau chaude, là. Tu fais bouillir ça dans l'eau bouillante, là. Tu sors ça, mets ça sur un petit pain de la mayonnaise, puis un petit fromage, puis tabarnouche. T'as une petite sandwich écœurante. Hein? Numéro 4, écoute, leur outil de contrefilet. Il n'y a pas de steak. Tiens, un vrai steak comme ça, là, il n'y en a pas la semaine prochaine. Il y a l'intérieur de ronde, outil français, beefsteak français, là, tu as des viandes de même. Mais des vraies viandes, là, je te dirais là, qu'on peut juste manger saignant. Là. Non, écoute, il n'y en a pas. Puis cette semaine, il y en a encore là, chez Maxi à 5,98 la livre, où tu peux faire 13,18 le kilo pour le contrefilet. Si tu aimes ça, hein? Ça goûte à pain, bon steak, là, c'est cette semaine qu'il faut que tu y penses, parce que la semaine prochaine, il n'y aura pas de ça. Ben non. Aussi, écoute, qu'est-ce qu'on a? Le numéro 5, écoute, la côtelette de longe là, avec l'os. Ça, c'est chez Maxi. Donc, à 2 piastres la livre, tu préfères 4,41 le kilo. Ça, ça a bien du bon sens, parce que, bon, c'est pas mal son prix, là, quand même, quand il tombe en spécial. Mais la semaine prochaine, il n'y a pas de côtelette. Il l'a quasiment toutes les semaines, mais pas la semaine prochaine. Fait que, qu'est-ce qui arrive? On ne sait pas. Mais si t'en veux, c'est cette semaine que ça se passe. Le numéro 6, écoute, les cuisses de poulet. Les cuisses de poulet, la seule place la semaine prochaine qu'il a, il est à 1,29 la livre. Tandis que cette semaine, tu l'as chez Metro à 88 cents la livre. Donc, il y a vraiment une grosse différence, là, tu veux dire. Même à 1,29, c'est un pas pire prix, là, parce que ça vaut 2,84 à peu près, mais là, à 88 cents, tabarnouche, ça en veut, là. C'est cette semaine qu'il faut aller chercher, ça, c'est sûr. Le numéro 7, la bavette de bœuf. Hein? Tu sais, la bavette de bœuf, c'est une viande qui est assez dispendieuse, merci. Même à 10,99 la livre, où tu peux faire 24 et 23 le kilo, c'est quand même pas donné. C'est une chance, parce que c'est de la qualité, hein? C'est ça qui arrive. Mais bon, si t'en veux, c'est cette semaine, parce qu'il n'y a pas ça la semaine prochaine non plus, c'est sûr. Le numéro 8, beefsteak ou rôti d'intérieur de rond. OK, à 2,99 chez Provigo. À 2,99 la livre chez Provigo, ou si tu préfères 6,59 le kilo. La semaine prochaine, tu as le rôti français à 3,49. Donc, quand même, 50 cents de différence la livre. Encore là, sur 3 piastres, 50 cents, c'est de l'argent. Ça paraît, hein, au bout de la ligne, c'est sûr. Mais quand même, il y a quand même un bon spécial la semaine prochaine, mais pas à la hauteur de cette semaine. Donc, si tu veux avoir cette protéine-là, puis tu veux payer le moins cher possible, hein, c'est sûr, c'est ça qu'on veut, ben, ça va cette semaine qu'il faut t'en profiter. Le numéro 9, écoute, le thon Cloverleaf, là.
La belle petite canne, la bonne marque, 1 piastre. Ça, là, c'est pas cher, ça vaut le double. 2,19 à peu près la canne. 2,49, 2,19, je me trompe peut-être. En tout cas, 1 piastre, là, c'est sûr que tu te trompes pas. Tu peux pas te faire avoir, puis il n'y a pas de date de péremption. Après ça, tu le sais, fait que c'est le temps. La semaine prochaine, il n'y aura pas de thon comme ça, en spécial, ça, c'est sûr. Et finalement, le numéro 10, écoute, les côtelettes de porc. Ça, c'est, tu sais, comme je t'ai dit tantôt, tu as la côtelette de longe avec l'os, ou tu as le mélanger, là. C'est des bouts de côte avec. C'est un paquet normalement qui va avoir 6 des chops de porc, qu'on appelle les chops de porc. Soit il va avoir des bouts de côte, 3 bouts de côte, puis 3 hautes surlonges, tu sais. Fait que c'est un peu mélangé. Ça a l'air plus gras aussi. C'est goûteux. C'est goûteux, puis il n'est pas cher. Il est 1,88 la livre, tu peux faire 4,14 le kilo. Donc, si tu veux te faire un bon chop de porc, là, qui goûte quelque chose, ben c'est là que tu vas acheter ça. C'est chez Super C que ça se passe. Fait qu'écoute, c'est ça qui est ça pour les 10 rabais qui reviendront pas la semaine prochaine. Donc, l'idée, c'est pas d'acheter la liste, hein? Non. L'idée, c'est de voir, là, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans. Si dans la semaine prochaine, tu as l'intention de faire un repas avec une de ces protéines-là, que tu sais qu'elle sera pas en spécial la semaine prochaine, mais peut-être en profiter tout de suite. T'sais, tu vas le chercher le mercredi, c'est bon jusqu'à samedi dans un frigo. Là, puis c'est, donc, tu peux le faire congeler aussi. T'sais, mais moi, je ne suis pas fervent de congé. Je ne suis pas fou de décongeler la viande. J'aime manger la viande fraîche le plus possible. C'est pour ça qu'avec la liste de papapapote, j'ai même pas besoin de congeler. Ce serait rare, à moins qu'il soit un super spécial comme du saumon fumé. C'est quelque chose qui se congèle. Là, c'est pas grave, là, mais les viandes, c'est toujours meilleur, on dirait, quand c'est frais que quand tu le décongèles. Je sais pas. Fait que, écoute, c'est ça qui est ça. Fait que je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine de relâche, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa papa. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa papa.